De retour pour In Game de Monored, et nous sommes avec Jiba maintenant qui vient d'arriver. Incroyable. Donc Monored dans Legacy, je pense qu'on play first, ouais. Hein, Monored dans Legacy, où on laisse tout le temps commencer. Non, comme on, play non okay. On play first. On se rend compte qu'on a sans doute fait une erreur en ne mettant pas. Ouais. On cherchait 4, des cartes. 4 pyrostatic pillars en ouais, des cartes de side, on les. On j'ai maté un peu. Une 5-6 listes avant, il n'y en a aucun qui en avait pour m'y faire penser, donc c'est peut-être pas le mot d'ordre du format, mais on va voir. Presunto Jublé. Ok, donc a priori là le deck c'est très compliqué. Généralement on fait. On fait la bête. T1, un Grim. Et paf, on peut croire qu'on joue un vrai jeu. Voilà. Vite, ça rend compte de l'arnaque tour 2. Oh paf oh, ah, il joue Stax. Grim Monolith. Je suis pas sûr que ce soit vraiment. C'est pas un bon match. Une bonne nouvelle, j'en ai aucune. Tu vas rentrer avec Smash tout. Oh, il fait rien derrière. C'est ouais, bon c'est ça. Quel bon. Marauder Zonzon! Si bien on se fait Kaïsa déjà. Blah! Tchou! Oh, t'es pas prêt! Pas de chien, pas de chien! Il se met deux tout seul. On pourrait mettre Panka chien en fond sonore presque. De toute façon, on a pas grand chose à commander à cause de ces vidéos. Une arme connue! Oh mais lol! On s'en fout, c'est pas grave. Oh là là, une Warm Coil Engine. Mais c'est là que t'es triste de pas avoir tes mocs fanatiques. Hein. Mais attends. Alors attends. Tour 2, une Warm Coil Engine. Alors le mettre 14. Il va falloir le mettre 14. Ah oh, parfait, vas-y. C'est Land, tu lui mets 6, go. Land. Land, ouais. Lava Spike, Chain Lightning, go. Ouais, c'est vrai. Tu vas bloquer avec ton Grim l'avant-monceur et le shooter. Et à ton tour, tu vas le tuer. Ouais. Faut pareil, pas mal. Et oui. On a bourré Warm Call Angel tour 2. Non, mais là. Tour 2, ouais. Warm Call Angel tour 2. Boum. Incroyable. Paf. Non, non, faut peut-être faire Price of Forest Rituel. Non, absolument pas. Sinon, tu gagnes 6. Sinon, il gagne 6, là il gagne pas 6. À la place de faire les deux trucs, parce que peut-être et tu peux pas activer ton Grim Lava Monceur sinon, et tu gagnes 6. Ah, mais tu peux faire un Pyro en réponse. Faire quoi? Enfin, tu peux faire. Fire Blast sur ton propre. Ah, pff, ouais, non, tu veux tes lampes. Non, c'est mort ça. Non, ça c'était pas une option ça. Ah ouais, c'est pas bien, il a un peu de rituel. Il faudrait juste qu'il tape sa voice là. Ouais, voilà, ouais, si elle tape pas, on a l'air. Alors après, faut qu'il le voit, tu vois, mais. Ouais, on le voit. Il a le droit de toucher un bird aussi, hein. Tu vas peut-être un, tu peux faire go aussi, mais ouais. Plus, quoi. Vaut mieux avoir un land. Ouais, tu vois. Sauce. Enfin, t'as pas le choix. Paf! Et paf! Et quoi? Je sais pas. Bra! Mais genre paf! T'as 6 il y a 7, tiens, on va trouver un truc. Paf! Allo? Il a des artos au cimetière? Non, il en a pas. Non. Bon, c'est pas parce qu'on joue en mode red band qu'on peut se permettre. Ah, je ne sais pas ce qui peut nous arriver. Ah, il a quoi? Il a 4 cartes, il peut rien casser là. Il peut waster son Great Furnace en fait. Non. Soit enfin son ancien tombe plutôt, je pense. Tu veux le choix de Blastar, t'as perdu là. Tu pourrais mettre un point en un mana. Un point en un mana? Ouais, parce que là t'as 7, t'as 6 de mana. Je pense que ça existe dans le jeu plutôt. Fais juste le piocher quoi. Si on avait fait Price, si on avait fait Price of Progress, il prenait 4 au lieu de 6, donc là il était à 10, on faisait Fire Blast. Plus les 6. Il passait à 6, on se shootait et à notre tour on avait plus qu'un land et on ne pouvait pas caster nos deux blasts et on devait piocher land. Et je pense qu'on a plus de. Est-ce qu'on a plus d'odds, oui, de il piocher. Il reste 17 landes dans le jeu, et je suis pas sûr qu'il y ait plus. Oh, si, de. Blablabla. Je ne sais pas exactement. Alors, regarde le deck éditeur, de toute façon, là, on n'a rien à faire. Attends, on va voir si. 16. Il y en a qui s'allopent qui. C'est pour voir si on a déco. Non, c'est sur le tien. Sur le tien que tu dois on faire. On a pas déco, mec. Déco, c'est. Ah, c'est bon. Enfin, je sais pas, le mec il est plus là, donc je sais pas. Ouais, mais c'est pas la première fois qu'il met un peu de temps. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il faudrait calter en fait? 4, 8, 12, on a déjà classé 2, donc il reste 10. 10. Voilà, mon play était mieux. Il reste que 10. 10 sources, 10, ouais. On a plus de piocher land.
Donc du coup, non mais qu'est-ce que je veux dire pour le side si on doit changer mettre des pyrostatiques, tu sais, qu'est-ce que tu veux pyroblasts, je pense. Enfin peut-être les deux, les artrails doivent pas être ouf, je les ai mis un peu à 30 noms. Donc je suis pas sûr que 8 pyroblasts soient vraiment nécessaires. Ouais. Donc, peut-être 2 pyro et d'autres cartes un peu à droite à gauche. 2 pyro ouais, et 3 pyro et un artrail peut-être, je sais pas. 3 pyro un artrail. Enfin, je sais plus. Il y a pas de dredge dans le format. Ouais, ça a l'air bien. Ouais, Dredge, je peux lui remove ses bridges, je pense pas que ce soit. Bon, enfin, ça fait Yona, j'avoue. Bon, notre adversaire n'est plus là, je le spam, je ne sais pas ce qu'il fait. Allo, allo. Qu'est-ce qui t'arrive ? On a bien pioché cette magnifique carte. Oui, exactement. C'est vraiment relou. C'est la carte qu'on a envie de piocher. Peut-être que notre adversaire nous a mis 10 minutes parce qu'il tilt. Non mais tour de Wormcoil, c'est la violence, mec. C'est la violence made in ghetto. C'est la grosse violence. Ouais. Il peut quoi? C'est waster en réponse. Oui, il peut se waster, ouais, tout à fait. Ah, vous auriez pu, ouais. Ouais, en fait, là, on a 10 draws au lieu d'en avoir 17. Pourquoi? Mais non, mais on n'était pas sur un draw si on faisait d'abord le... 10 draws. Si. Si, parce qu'on était obligé de faire Fire Blast. Tu sacrifies. Rui, c'est ça, c'est bien Rui. Rui Diderot. C'est plutôt Denis. Ou Denis Diderot, je ne sais pas. En fait, si on avait fait Price of Progress, il fallait qu'on. Et qu'on. Il fallait faire. Fasse Price of Progress, donc 2 manas tapés. Ah oui, d'accord. Fire Blast nos deux landes. Il fallait 4 manas. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, mais effectivement, c'était mieux de faire Price of Progress parce qu'on se donnait plus de draws. Bon, bah, je pense qu'on a gagné autant. Tu perds rien à sortir à revenir. Hein? Tu perds rien à sortir à revenir. Mais c'est sûr qu'on n'est pas déco, il n'y a aucun problème. Ouais. C'est sûr et certain qu'on n'est pas déco. Voilà. Bon, bah. On arrête. Qu'est-ce qui se passe? On arrête la vidéo. C'est tendu parce que c'est un spot où on a envie de montrer qu'on top deck et tout. Tu vois, ouais, non, on va la dropper peut-être. Tu vois, mais... Non, bah, mais tu peux pas éditer la vidéo. Si, je vais dropper maintenant. Oh, voilà. Tu la coupes.